Bonjour, l'énergie du soleil est gratuite et inépuisable, mais savez-vous exactement comment on la transforme en électricité? Je vous invite à découvrir vraiment comment ça marche. Et pour ce faire, nous allons découvrir aujourd'hui une maison dont l'installation photovoltaïque a été conçue et réalisée par Tuco Énergie. Voici donc ces fameux panneaux solaires que l'on voit de plus en plus souvent sur le toit des maisons ou des bâtiments. Ils transforment la lumière du soleil en électricité. Et pour ce faire, ils ont tous recours à un effet découvert par un physicien français, Edmond Becquerel, en 1839. Cet effet, on l'appelle l'effet photovoltaïque. Explication. Un panneau solaire photovoltaïque est un assemblage de cellules composées principalement de silicium. Il capte la lumière pour produire du courant électrique. Chaque cellule est constituée de deux couches de silicium, l'une positive, étant surcharge d'électrons, et l'autre négative, en déficit d'électrons. Lorsqu'elles sont exposées aux photons de la lumière solaire, il se crée entre elles un flux d'électrons, ce qui génère un courant électrique. Une cellule photovoltaïque produit donc de l'électricité grâce à la luminosité, et non pas grâce à la chaleur du soleil. Elle est ainsi rentable partout en France. L'Allemagne est d'ailleurs le premier producteur d'électricité verte. Cette source d'énergie gratuite, abondante et inépuisable permet de produire de l'électricité propre. Lorsque l'on veut s'équiper, il faut d'abord effectuer un bilan solaire. Un expert va déterminer la solution la plus rentable en fonction de la surface de toit disponible, de son inclinaison, de son orientation et de sa situation géographique. À partir de tous ces éléments, l'expert va réaliser ce que l'on appelle une simulation de rendement pour estimer vos futurs revenus solaires. Le bilan solaire permet de concevoir une installation adaptée. Les panneaux sont intégrés au toit de la maison ou à celui d'une dépendance et orientés de manière à profiter au mieux de l'ensoleillement. Sous l'effet de la lumière, ils produisent un courant continu qui est transformé en courant alternatif par un onduleur. L'électricité produite est alors injectée dans le réseau de distribution et revendue en totalité à EDF, à un tarif avantageux fixé par l'État et garanti pendant 20 ans. Et maintenant, quelles sont les étapes nécessaires pour installer des panneaux photovoltaïques comme ceci sur un toit? Réponse en images. L'installation de panneaux photovoltaïques est simple, rapide, sans modification du toit ou de la charpente de la maison. Il faut une équipe de 3 personnes, un électricien et 2 couvreurs pour poser une installation sur le toit. Première opération, préparer et sécuriser le chantier, puis détuiler la partie à équiper afin d'installer un écran sous toiture pour assurer une parfaite étanchéité. L'équipe procède ensuite à l'installation du kit d'intégration en toiture conçu pour résister aux intempéries. C'est alors la pose des panneaux proprement dites et l'électricien procède alors à l'installation des raccordements électriques. Bref, une opération maîtrisée par Tuco Énergie, rapide et efficace. L'installation terminée, la toiture est plus résistante et étanche qu'auparavant. Patrick, une question simple. Pourquoi avoir décidé d'installer des panneaux photovoltaïques sur votre toit? Parce que depuis toujours, j'étais un peu fou du développement durable, m'intéressant fortement à cette question citoyenne. Tuco Énergie a tout pris en main. Je suis un client complètement satisfait. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi Tuco Énergie? Parce que quelqu'un de bien m'avait dit du bien de Tuco Énergie. Concrètement, comment s'est passée l'installation? Ils ont tout fait. C'est tous les papiers administratifs, la mairie, la préfecture, l'architecte des bâtiments de France, etc. Ce qui est normal. Et ils sont venus l'installer. Ça a pris un jour et demi. À midi, c'était terminé le lendemain. Alors, pour ces panneaux photovoltaïques, quelle a été votre solution de financement? C'est un autofinancement, puisque Tuco Énergie, avec sa propre banque, m'a fait une proposition que j'ai acceptée. D'ici 4 ans, j'aurai fait l'amortissement complet de mon installation. Si vous deviez le comparer à un placement classique, est-ce que vous diriez que ces panneaux solaires sont un bon placement? C'est l'équivalent d'un placement à 10%. Un excellent placement. Un excellent placement. Est-ce qu'avec le recul, vous recommandez et le solaire photovoltaïque et votre installateur Tuco Énergie à vos amis ou vos voisins? Mais c'est ce que je fais déjà. Je le recommande chaque fois qu'il est possible de le faire. Ça fait maintenant 3 ans que vous avez ces panneaux solaires. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un client satisfait de l'électricité photovoltaïque? Heureux et satisfait. À tout point de vue.